وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit illettré, c'est un miracle. Car comment un illettré peut inventer un Coran? C'est pour montrer encore plus que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour tranquilliser encore plus ceux qui pourraient avoir des doutes. Comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des versets, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, auparavant tu ne lisais pas le Coran et tu ne l'écrivais pas avec ta droite. Sinon, les gens qui ne croient pas, qui traitent de mensonges et de faux, ils auraient eu des doutes. Donc Allah tabarak wa ta'ala a choisi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit illettré pour montrer encore plus le miracle du Coran. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.